Bon, bref, écoute-moi, je sais que ton père il est aux States, c'est pour son travail, et il m'a confié de te dire, c'est comme c'est ton anniversaire, ton cadeau, et en fait, je peux te laisser deviner ce que c'est à peu près, tu penses que c'est quoi? Je sais pas, je m'y attends pas du tout. Tu Il est où balances? mon père? Il est parti où? En fait, ton père, il devait être là maintenant, mais en fait, il a eu un petit imprévu. D'habitude, tu pars à côté de chez toi, mais là, il est au State, en fait, il est à Los Angeles. Bon, Et en fait, comment te dire? Et tu vois ton arrière-grand-père? bref. Ouais, je vois. Il t'a donné sa maison de vacances. Mon père a donné la maison de vacances de mon arrière-grand-père. Voilà. Et c'est pour passer des vacances, combien de temps? Mais il te la prête pour une semaine à peu près. Oh Et putain. tu pars avec qui tu veux, quand tu veux, dans la semaine, Bah même je pars maintenant, si t'en avec. veux. Bah sinon je vais partir avec bah, toi et Rémi. Ça vous dit les gars? Ou Voilà, moi allez. je suis chaud. Hein. Ah Mais moi pareil. on part quand? On partirait quand? Bah je sais pas, tout de suite. À la fin, Allez. ouais. Mais tu permets juste de rentrer chez moi, mais comme on part pour une semaine, je prends mes affaires et on part, c'est bon? Ok, pareil pour toi, ami. Allez, pareil. C'est Allez. parti. Allez, bon, vas-y, Yeah, putain, c'est un super bon anniversaire. Ouais, ah, ça bon, bah, salut à tous, ouais, salut Fanta, on se voit dans une de tes vidéos. Salut, Hein. Bob. Ouais, et Gus, prochain bien Minecraft, hein, on le fait ensemble. Allez, ciao, Ouais. Bob. On fera ça. Et foutez pas le bordel, hein, parce que sinon son père il va gueuler. Hein. Oui, c'est clair, c'est que toi de l'entreprise de mon père, donc voilà. Et voilà, donc ciao Assassin's Creed. Hein. Ouais, Ouais. salut Mario, vas-y, amuse-toi bien avec ta copine. Hop. Et ciao. Les gars de la piscine, faites gaffe, hein, parce que là, ça fait longtemps que vous êtes sous. J'espère que vous allez battre le record du monde d'apnée dans Le l'eau. barman Et faites gaffe, les gars, vous suicidez pas, hein, vous êtes quand même sur le toit d'un immeuble. Je sais pas si tu vois, je sais pas si vous voyez Rémi et tout, mais il se balade comme ça sur le toit d'un Ouais, immeuble. ouais. Tiens le barman, alors tu fais payer les boissons, voilà normal hein, comme t'as dit mon père. Salut DJ, continue à passer de la bonne musique, elle est parfaite celle-là. Ok, ben nous Rémi et Flo on se dirige bah, là-bas, donc on va Par chez contre, fais nous. gaffe pour barman, parce que les rangs pas sous. Dépend. Ouais, et puis à minuit t'arrêtes parce que. Quoique non, attends, il est déjà minuit. Pardon, à 3 h du matin t'arrêtes parce que j'ai pas envie que ça parte en fight. Allez, ciao, nous on se barre avec Rémi, donc ciao. C'est déjà barré. Tous. Ouais. Putain, c'est long. Alors moi j'en ai marre, j'ai mal aux jambes, putain! Fait longtemps qu'on marche. Hein. Moi j'ai mal aux jambes. C'est vrai que les Ça fait combien de pieds, temps moi qu'on c'est les marche? pieds là, je crois que je dois avoir des ampoules, un truc comme ça. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on marche environ, Flo, tu penses? Je sais pas, je dirais 1 heure. Je crois que j'ai tellement des grosses ampoules que je pourrais éclairer une maison. Ah, je l'avais déjà entendu, je crois, cette blague. Je sais pas, moi je dis tellement de blagues, je dis tellement de conneries. C'est vrai que ça va être pas mal. On va bien s'amuser. Je pense à bien rigoler, ouais. Putain, je m'attendais pas du tout à un cadeau comme ça en fait. Ouais, tu pensais plutôt à quoi? Moi, je m'attendais plutôt à un cadeau genre, je sais pas. Tu sais, avec mon père, j'ai l'habitude des gros trucs qui flashent. Mais pas une maison, tu vois. Quand t'es passé où je t'ai perdu? Je te... Ah, non, c'est monté là, je te voyais plus. Je commence à avoir un peu faim. Est-ce que t'aurais un steak sur toi, Rémi? Parce que j'ai un peu faim. Tiens, Je moi j'ai une tarte. J'ai une tarte. vais Morceau de pas tarte. lancer ton épée. Je veux bien. Elle a qui l'épée? Mais si j'ai perdu mon Tu peux épée. me passer C'est moi, un. c'est moi, c'est moi. Par contre, j'ai oublié de prendre une pioche chez moi, les gars. Cas où, Tiens, je sais pas si on veut s'amuser. Ouais, mais t'inquiète pas, ça, il y en a avant dans le coffre de ton grand-père. Ouais, Peut-être. je pense. D'ailleurs, je t'en Ouais, ai une. j'éclaire un peu avec ma torche. Non, mais c'est bon, enfin, c'est bon. Donc là, j'ai un peu mangé, donc c'est parfait. Donc Ah, j'éclaire avec la merci. torche de mon grand-père. Ah, merci, c'est sympathique. Enfin, avec la torche de mon grand-père, pardon. Je me suis embrouillé. Avec la torche. Je ne sais pas du tout où on est. Putain, j'ai mal au pied. Moi, je suis perdu, hein. Franchement. Attendez, il y a un genre de petit chemin là-bas. Ouais. Allez voir. Bah les gars, moi je passe devant. Non, laisse, je passe devant. Laisse, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui la torche. Bon, la torche elle éclaire devant aussi, ça va, moi je vois bien. Venez là.
On te suit. Oh putain. Un chemin. On dirait un chemin. Ah c'est cool. Ah c'est sûrement vers là. Je crois qu'on est arrivé. Enfin ouais, je pense. On est bientôt arrivé. Oh, putain, ouais, c'est bien. Regardez les gars, on y est quoi. Oh attendez les gars, oh, les gars, attendez, sur la carte de mon sac. Sur la carte. C'est quoi la carte? Ouais, c'est celle-là les gars. C'est celle-là, j'ai regardé, c'est celle-là. Les gars, c'est celle-là. Les on arrive, les gars. Les gars, moi je sprint, les gars. Je suis fatigué, j'ai mal aux pieds, mais on t'apprend sprint. Content, c'est ma maison de vacances. Oh les gars. Enfin, bah, c'est énorme, c'est énorme. Mmh. T'es sûr que c'est celle-là, Flo? Ouais, c'est sûr, certain. Et mais attends, on va y rester combien de temps? Environ une semaine. Ouais, une semaine. Je pense que ça va être des belles vacances. Hein. Donc on rentre les gars. Putain, oh là 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 là, j'y crois pas, j'y crois vraiment. Elle est vraiment belle. Elle est grande. Attends, c'est Joe qui rentre en premier parce que c'est sa maison. Ouais, enfin, c'est ma maison de vacances quand même. Ah, il y a un coffre, comme si on nous attendait. C'est quoi ça? Oh, c'est bizarre. Ah, on dirait des blocs d'alimentation. Ouais, qui c'est qui en prend? On en prend tous un bon, peu. Bon, on en prend tous un peu. Hein. Tiens, je te laisse ça. J'en ai pris 6, vous en avez combien vous? J'en ai 4. Moi j'en ai 10. Passe-moi ça un ou deux, Rémi. Moi ouais. Aussi, j'en veux bien. Ah, moi j'en ai plus. Passe-moi tout, Flo, passe-moi tout en fait, je vais tout partager. Ouais, bon, c'est pas grave. Allez, là, Flo, attends. Eh ben, on en aura 5 chacun avec Flo, ou inversement. Bref, venez, on va d'abord visiter le bas. Hein. Allez. Il y a un étage en plus, j'y crois pas. Tiens, ici on a allumé les lumières, un canapé. Sombre. Non, bah ouais, quoi que oui, c'est vrai. Ouais, il y en a, j'ai allumé là-bas, la petite lampe de salon. Y en a regardez, il y a un bureau. Oui. Ah, oh, c'est trop classe. Oh, il y a un pot à crayon, pardon. Hop. Il y a un pot à crayon. Ouais, vas-y. Il y a le crayon que m'a offert Jean-Louis. Il y a rien dans les coffres. Les coffres sont vides. Et je pense ça devient. Je sais pas. Il y a oh, regardez, il y a une table pour manger là. Bon, elle est grande, hein, mais arrêtez. J'ai pas fait exprès. Oh, les gars, il y a une cuisine. Oh, une cuisine, ouais. Putain, elle est trop classe. On va manger. Oh, il y a un frigo. Attendez, j'ouvre. Oh, en plus, il est rempli, c'est bien. Hein. Comme dit mon père, il pense à moi. Oh, c'est trop bien, il y a une poubelle. C'est trop classe. Mais à quoi ça nous sert ces blocs d'alimentation? Je sais pas. Et si on est 20 étages? Allez, pourquoi pas. Attends. Ah, on peut pas les allumer, ces lampes. Eh, je pense que ça doit servir à ça, non? J'en pose un. Ah ouais, putain, essaye. Oh ouais. Oh, c'est trop classe. Ah, ça défonce. Attendez, bah venez, on va aller à droite. Allez. Je me demande où doivent être nos chambres, mais tiens, je pense que ça doit être. Elle doit être là. Ah, j'aimerais bien prendre cette chambre, moi. Bon, bah, allez. Rémi, tu prends cette chambre. Allez. Je prends cette chambre. Moi je prends celle d'en face. Oh mais allez. Sérieux les gars, vous allez me laisser tout seul de l'autre côté, moi ça me saoule. Bon allez venez. Viens, on continue. Attends, là, cette chambre là, qui a juste là. Oh putain, il me manque un bloc. Vas-y, je peux. Elle a l'air pas mal. Oh bah je pense que je vais prendre là. Mais je crois qu'il y a une chambre de trop. Attendez, on va la voir. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Oh! Et Rémi, c'est ta tête là! Il a, tu me textes, c'est ta tête dans la cage. Oh putain! Fou, il y a ta tête là! Oh attendez les gars, il y a notre tête dans une salle. Moi les gars, je sors de cette chambre. Oh, il y a un panneau quand on sort! Il y a marqué un truc. Hold it. You are all dead. Vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts. Oh mon dieu. Oh putain. Ah! Ça va, je pense, on risque rien. Dans la maison. J'espère que c'était une blague. Ouais, j'ai dans ma chambre. Putain, il fait encore nuit. Moi aussi, je suis dans ma chambre, Joe, tu vas tout seul. Vous me faites peur, les gars. Ou vous voulez, les gars, vous voulez pas reprendre 3 lits, qu'on les colle ensemble, on dort tous dans la même chambre. C'est bon. Non, c'est bon. Je sais pas, ça va, on est potes, mais voilà, pas autant. Bon, les gars, ouais. Je vous dis ciao, je vous fais la bise, et puis après, on y va. Après, je vais aller me coucher. Vous voulez pas qu'on aille bouffer un bout juste. Non, moi je suis crevé, moi. Ciao, viens pas me violer ce soir. Hein. Quoi? Viens pas me violer, Rémi. Allez, non plus, Flo. Allez, bonne nuit, les gars. Et bonne nuit.
Ouais, ben. Moi j'ai un petit creux quand même, moi j'ai toujours faim. Ah. Ça va Rémi? Ouais, toi Flo. Bien oh, salut les gars. Oh, ça va Jo? Ça va? Salut les gars, bon, bien dormi? Ouais, ça va, descend. Ouais, j'ai super bien dormi. Et toi? Ouais. Et toi Flo? Ouais, tranquille, tranquille. Bon, mais ça vous dit qu'on se mette tous là et qu'on fasse un petit repas tranquille? Attendez, je vais voir dans mon sac. Ah ouais, j'ai des cookies. Ça vous dit de partager des cookies? Allez. Ouais, bah, allez. Moi j'ai du pain si vous voulez. Ouais, tiens, je te passe un cookie. Moi tu passes un pain. Eh les gars, moi je m'assois là. Va dire ça, c'est ma place. Le tien. Ma place. Un pain. Putain, ça va être cool pendant une semaine quoi. Une semaine. Enfin, après ce qui s'est passé hier soir, je sais pas, juste un peu. Ouais, c'est qu'une chambre. Hein. Peut-être que c'était pour. C'est d'avant. Je pense qu'on devrait la condamner, non? Non. Je pense qu'on devrait la bloquer. Ouais, peut-être. Ouais, si. La bloquer, ça serait une pas bonne idée. Ah, une bonne idée. Ah, qu'est-ce que tu fais, Rémi? Oh, Rémi veut jouer au jeu de la fléchette. Allez. Ok, bah si tu veux jouer à ça. Si, mais il faut faire quoi? Non, mais il faut faire du sang, Arrêtez, je veux mourir. Je suis empoisonné. Désolé Rémi, en fait je t'ai envoyé une flèche, je sais pas si t'as blessé. Ouais mais longtemps. Mais arrêtez là. Putain, on va faire des guerres mondiales les gars, ça va être super cool. Moi il y a un coffre dans ma chambre. Je vais aller poser mes affaires dedans. Ouais, putain, cette chambre elle me fait flipper. Ouais, surtout que t'es juste en face. Vous prenez quoi comme affaire les gars? Ça vous dit qu'on aille faire un peu de pêche? Allez. Allez. Moi j'ai pris une canne à pêche. Moi aussi. J'ai pris aussi ma canne à pêche pour parce que comme on prend juste la canne à pêche. La dernière fois on s'était bien amusé. On prend juste la canne à pêche. Ouais, je prends la canne à pêche et mon sac à dos et une montre au cas où si on rentre un peu tard quand même, qu'on sache à quelle heure il est. Ouais, exactement. Ah, allez, on y va. D'ailleurs, je sais pas s'il y a un lac près. Bah de toute façon oui, on a vu. Allez. Chut. Tu vas arrêter de siffler. Vous savez d'ailleurs que moi je ne sais pas siffler. Je suis parti de ces gens qui ne savent pas siffler. Et si on avait pêché, on va pêcher. Bah c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais ah mais on peut pêcher dans cette clairière, ça a l'air pas mal. Et bah là il y en a un. Flo prend le lac. Allez, le premier qui trouve un poisson il a gagné. Oh putain, il y a une méduse. Un poulpe. C'est bien quand même. Une méduse. En fait ça fait comment quand on pêche, parce que j'ai jamais pêché. Dès que le bouchon il s'enfonce, tu soulèves ta canne à pêche. Et le premier qui a un poisson. Je vais appuyer sur clic droit. Bah clic droit. Mais essaye. Mais t'as rien pris là. Le premier qui a un poisson. Et on les voit pas. J'en ai un. Bon mais je vois à gagner. On les voit pas les poissons aussi? Non, on les voit pas. Non, mais taisez-vous les gars, faut parler comme si c'était la vraie vie. Allez. Ah, t'as fait un avoir. Ouais. J'aime bien la pêche. Oh. Ah, j'en ai pas. Il commence à y avoir un paquet de méduses quand même. C'est des poules. Pardon, des poules. Oui, c'est vrai. Méduses dans un lac. Ah, j'ai un poisson. Ah, j'ai loupé. Moi, j'ai rien. Ah, j'en ai un. J'ai deux poissons. Mais tu m'as pris le mien. Ouais. Et j'ai ramené le mien, mais il a piqué. J'ai deux poissons. Bon, la pêche est bonne quand même. Bon allez, attendez, on va se mettre un point plus culminant. Je vais mettre là-bas. Bah moi je pêche ici moi. Tout seul. Arrête de me pêcher moi, le but c'est pas de me pêcher moi. Lui il m'attrape. Ah bon Flo? T'en es bien quand même, c'est calme. Même poisson. Ah les gars, c'est bien d'habiter. Ça fatigue, ouais. Vous savez que dans mon immeuble de YouTube là, c'est assez bruyant quand même. Il y a des trucs que j'en ai. Un peu fatigué quand même. Vous savez qu'on a dormi, il était quoi? Il était 5h du matin. Oh putain, j'avais un poisson. Ah, c'est bon, je l'ai. Ouais, bah, vous avez beaucoup marché. On n'a pas beaucoup dormi aussi. Oh putain. Ouais, c'est clair.
Bon, ça va. Rémi lui parle la chance. Lui, il est pêcheur, il est chasseur. Les gars, vous... Allez, les gars, c'est qui va aller en premier à l'eau? Allez, vas-y, Rémi. Viens, allez. Viens, Flo, on fout Rémi à l'eau. Non, non, non. Allez, viens, Flo, 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 vas-y, sors de l'eau. Viens, vas-y, ah, pousse-le, ah. Pousse-le. Allez, trempé. Rémi dans l'eau, ah, il est tout mouillé. Hey, non, non, vous me poussez pas dans l'eau, moi c'est mort. Moi je suis dans mon, dans mon jean, t-shirt et tout. C'est impossible. Oh, un PD. Ah, je te mets dans l'eau. Ah, Rémi, viens, on fout Flo dans l'eau. Allez, il attrape avec ma canne à pêche. Il fait 20, mais je suis dommage. Ah non, 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 Flo, tu vas dans l'eau, ou sinon tu restes pas dans ma maison. Ah, c'est bon, voilà. Attends. Là, tu as dans la maison, il y a la chambre rentrée. C'est bon, je l'ai fait rentrer. Attendez. Oh, regardez ce que j'ai pêché du Flo. T'as pêché de quoi? Ah, allez, Flo. C'est bon. J'ai pêché du thon. Arrêtez, les gars, vous amusez avec vos cannes à pêche, elles vont être usées après. Allez, les gars, on repêche un poisson et puis après, on va y aller. Je te paye des caltas parce que tu me niquer mon poisson. Donc on pêche un poisson, puis après on va y aller parce qu'il commence un peu à se faire tard, hein. Il doit être quelle heure? Il doit être 6h. C'est toi qui as ta montre, Flo? Ouais, ouais. Il va se faire nuit. Il y en a un qui a eu un poisson, là. Non. Bah c'est qui? C'est la canne à pêche du milieu, c'est toi, Rémi? Ouais. Je n'ai pas eu. Bon, les gars, il commence à faire nuit, c'est pas tout, mais... Ma bande, le mec, il se colle à moi. Et... Tout est quoi, quand même. En fait, c'est un gros gueule, le mec. Hein. Bon, allez, on parle pas des comme ça, les gars. Allez, on y va. Ah, j'en ai eu un. Ah, il y en a un qui en a eu un. C'est moi. Allez, bien joué, Flo. On aurait essayé de la faire. Alors, combien Flo, t'as pêché? Deux, mais tu m'en as volé. C'est pas moi qui en ai volé un, hein, c'est Rémi. Hein. Moi, j'en ai eu 4. Bah 3. Ouais. Flo 3. Allez, je le mets dans mon sac. Rémi, 3. Moi j'en ai un, mais tu m'en as pris un. Alors. C'est pas moi. C'est Rémi qui en a pris un. Elle est vraiment jolie, la maison, quand même. C'est vrai que vu d'ici, elle est vraiment belle. Elle est immense, quand même. Y'a rien à dire. C'est un palace, c'est un vrai palace. En plus, c'est perdu, en fait, c'est au milieu de rien. Mais ouais, presque, presque. Ouais. Presque, je trouve, ça fait peur. Ouais. Après, je trouve ça pas rassurant qu'il y ait rien autour. Bon, venez, on va chacun dans notre chambre. Attendez, moi je vais faire chauffer mon. Dormir. Y'a pas de four. Si, y'a un four. Où? Ah merde, j'ai oublié de prendre du charbon. Ouais, la cuisine. Ah, moi j'ai pas de gazinière. T'en as pris? Ah bon, bah vas-y. Est-ce que tu peux faire chauffer mon poisson? Mettez tout votre poisson dans le four. Ok. Puis après, on va aller dans notre chambre. On va pas. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Moi je suis crevé, j'ai pas envie de. Mettez tout votre poisson dans le four. Est-ce qu'on fait du poisson à manger ce soir? Allez. Allez. Allez, chacun se fait un petit poisson. Grillé. Moi j'en ai un. Flo, est-ce que t'en as un? Non, j'en ai pas. Prenez chacun votre poisson grillé. Arrêtez de prendre mon poisson. Tiens, je te le donne. Rémi. J'arrive à prendre mon poisson. T'es où? Les gars, on fait tout cuire, on met sous dans le frigo, hein. Oui, au cas où. Tiens. Rémi. Eh, par contre, Joe, on n'a pas un accès pour le frigo. On peut prendre, mais on peut. Non, t'inquiète, ouais, non, mais c'est pas grave. Allez, vous, on s'assoit, les gars, à notre place. Le poisson, il est bien bon. Attendez. Oh putain, c'est vrai qu'il est pas mal. Ouais, c'est très bon. Et Joe, pour ton anniversaire. Remettez la table. T'as amené un gâteau d'anniversaire, donc tiens. Oh putain, vous êtes sympa, les gars, merci. Allez, joyeux anniversaire. Je vous take. Joyeux anniversaire. Allez, les gars, on se le fait tous. Allez. Attends, à trois, tu souffles. 1, 2, 3, vas-y, souffle. Oh. Merci. Bon, allez. On mange. Donc merci beaucoup. Les gars, on va aller se coucher, hein, parce que. Moi je suis fatigué, c'est. Allez, les gars, on va se coucher. Franchement, on a une pas mal belle vue là. Dommage. On a une belle vue. Dommage, j'ai la colline un peu. Bah ouais, là devant, on a une belle vue aussi. Hein, je fais comme tromper de chambre en ce moment. Je pense que j'ai. T'es à des blocs cassés devant notre maison. Ouais, bon ça c'est pas très grave. Ouais. Donc je vais aller dans ma chambre.
Ah merde, c'est pas la bonne. Ah, attendez, les gars. Quoi, putain, oh, tu fais chier, on veut dormir, nous. Les gars, la salle. Oh, le con. Elle est vide. Hey, je crois que c'est une salle de jeu. Vas-y, moi, je vais chercher mon arc, et Rémi, on joue. Moi, j'ai dit après. Attendez, les gars, il y a une échelle avec... Attends, pas trop vite. Nous, on joue un peu. On va jouer, nous. Attendez. On n'est pas là pour visiter, on est là pour jouer. D'accord. Non, mais moi, ça me fait un peu peur, tout ça, donc je préfère prendre mon arc. Ah, on s'en fout. Je vais prendre ma petite épée en pierre. Bon, vas-y, on... Mais attendez, les gars, attendez. Vous avez pas vu la trappe, là? Si. Oh, ouais. Ah, si, il y a une trappe. Oh, j'y vais pas, moi. C'est mort. Non, j'y vais pas. Allez, vas-y. Eh ben, tu sais quoi, ce qu'on fait, le dernier qui touche la tête, celui qui touche la tête, il va. Je commence. Ok, d'accord. Vas-y, pousse-toi un peu, s'il te plaît. Donc, celui qui touche pas la tête, eh ben, il a perdu. Donc, attendez, non, on commence par moi. Allez, vas-y. Mais tu t'as touché, tu montes pas à moi. À la bouche, ok, je monte pas. Moi, à moi. Ami. Non, Ami. Oh, au-dessus des yeux. Allez, à toi. Attends, je me gratte un peu. À moi. Sur la tête, Bob, on recommence alors. Putain, j'ai le stress de... T'as dans le nez. Ouf. Allez, à toi. Attends, je me place bien. Non, mais vous mettez pas les devant, les gars. Ok. Allez, je recommence. Et non, c'est un jeu. C'est mon tour, boss. Mon tour, boss, pas. Ouh, ça va. Allez, à toi. Bon, je sens que si ça continue comme ça. Oh non! Allez! Oh non, mais je veux pas y aller, les gars, j'y vais pas. Non, tu vas. Les gars, je me casse. Vas-y, non, c'est mort. Non, Flo, tu reviens, on a fait le jeu de la flèche. Bon, d'accord, les gars, j'y vais alors. Arrêtez de me taper. Arrête! Putain, tu m'as fait perdre mon sang! Vous saignez là! Vous avez vu? Vous saignez! Allez les gars, je monte! Ah putain, mais qu'est-ce qui s'est passé en haut? Mon dieu, attends! Attends, vas-y, je monte! Putain, Flo, qu'est-ce que tu fais? Flo, mais où t'es? Flo! Putain, y'a ta tête là, Rémi! Où? Là! Regarde! Oh putain! Il faut descendre, j'ai peur! On se barre! Flo, t'es où? Attends, c'est pas possible, il est où? Oui, je vais aller voir. Ok, on se barre, Rémi, on se barre. Putain. J'ai peur, là, deux, là. Non, ouais, il y a Flo, dehors. Attends, il est dehors? Qu'est-ce qu'il regarde? On descend. Fais nuit. Il y a des trous. Il y a des trous. Flo? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, putain, Rémi, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que vous faites, ça? Mais t'étais où? Ben, je sais pas, on est en train de jouer, non? On jouait pas? On jouait? Mais attends, Flo, attends, tu rigoles ou quoi? Qu'est-ce que... Attends, rassure-moi, Rémi, on n'a pas pris de bière avant de... Non. Ben non, Flo. On était en train de jouer, non? Puis j'ai perdu, je suis monté, je sais pas, on ne peut plus. On jouait, c'est tout ce qu'on a fait. Je suis monté pour descendre. Ben rien, je suis monté, je suis redescendu. Mais on t'a pas vu redescendre, t'es passé par où? Bah par l'échelle. Tu... Je sais pas, Part Rémi, si Rémi, tu penses à ce que je pense? Il a un problème. Ouais, moi aussi, je pense à ce que je pense. À ce que tu penses. Tu penses à ce que je pense. Mais, t'as... Flo, t'es sûr que ça va? Bah oui, ça va. Putain, il est pas loin. Ah, je pète la forme. Ok. Ça va bien alors. Ah putain les gars, moi je vais me coucher, vous me saoulez, je suis pas fou, arrêtez, je sais ce que j'ai fait quand même. Ah, moi je vais me coucher, c'est bon. Allez, c'est bon. Je claque la porte, hein, c'est bon, vas-y, moi je me couche. Ouais, je me repose. Les gars, il y a un trou dans le sol dans la maison. C'est vrai? Il y a un trou dans le plafond de la maison. Bref. Viens voir. Là en bas, viens voir. Tu es où? En bas. Ah, je te vois. Regarde, il y a un trou là. Hein? Il y a un trou. Bon, c'est pas grave. Donc. Bah les gars, moi je suis couché enfin. Moi aussi, je suis dans ma chambre. En fait, t'es toute petite ma chambre. Bah ouais. Après, je crois que la mienne c'est la plus grande.
Ouais. On est super bien dans la vie. En fait, j'aurais dû prendre celle de Joe, moi. Ouais, mais tu moi, c'est moi qui devrais avoir l'honneur d'avoir la plus grande, c'est normal. Mais ouais. C'est moi la. C'est moi la plus petite. Oh, t'as pas de. C'est... T'as pas de. Bon, bah, les gars. Ah, t'as même des tables de craft et tout, dans ta chambre. Bon, mais j'allais vous faire un. Si t'as oh, putain, les gars. Je vais pas sortir de ma chambre, mais. Les gars, j'ai l'impression que la salle elle a encore changé. Ah bon? Ah ouais? C'est pas moi qui rentre en premier. Je rentre, ah, putain! Oh! C'est quoi tout ça? C'est quoi les panneaux? C'est quoi? Oh putain! Regarde, y'a un gars mort, on dirait un gars noir derrière qui tue. C'est le début du carnage. La vie est réelle ou t'irréelle? You are dead. C'est la fin. C'est la fin, it's not simple. Ne reste pas dans le noir. Ne reste pas dans le noir. Toi. Attention à vous, je suis là où tu ne le penses pas, moi. C'est le début du carnage. Oh mon dieu. It's not simple. Simple. Regardez ce qu'il y a marqué là. Faut partir. Il y a marqué le retour est irréversible. Tu passes, t'es tu passes, mort. T'es mort. Moi, les gars, j'ai pas envie de passer. Non, ne passez pas, les gars. La porte est ouverte. Putain. Porte est... Non, les gars, passez pas. Passe pas. Je pense que c'est une tentation à passer. Tu passes, tu t'es mort. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon bah, le retour est irréversible. Bah vas-y, ouais. Les gars. Je passe en premier. Oh. Putain, regarde. Oh mon dieu. Oh les gars, mais il fait nuit. Le bar, t'as dit. Attendez les gars, dans nos chambres. Tous les blocs d'alimentation, ils ont disparu. Attendez, je vais prendre une torche parce que sinon moi je vois rien. Ouais les gars, moi aussi. C'est bon. Moi aussi. Ah, c'est beaucoup mieux. Enfin, c'est beaucoup mieux. On dirait que c'est un peu dans l'ancien temps avec les bougies. C'est ce que je veux dire. La porte est fermée. Elle est bloquée. Elle est bloquée, on peut pas passer. C'est quoi ce bordel? Ah ouais. On a l'impression d'être coincé. Et les gars, il y a de la lumière sur l'escalier. Attendez, je vais aller voir du côté du bureau. Y'a rien. Attendez, éteignez vos torches, les gars. Y'a de la lumière sous l'escalier. C'est quoi ce bordel? Les gars, c'est quoi ce bordel? Oh bah, les gars, on monte. Allez, on monte. Je prends ma torche là. On sait même pas s'il fait jour, s'il fait nuit. Y'a la montre, mais je l'ai posée dans mon coffre. Le jour se lève. Oh les gars, non, c'est un rêve. C'est encore changé. Hein? Et bizarre, y a rien dans cette salle. The day is not far. La mort n'est pas loin. Qu'est-ce qu'il a appuyé, c'est moi? Allez, vas-y. Ouais, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh putain! C'est quoi? Il y a un bruit. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah les gars, moi je me descends. Bon, bah les gars. Il y avait eu une drôle de bruit. Hein. Bon, on descend. Torche à la main, toujours. Il manque une porte. Ah putain, il y a un accès à la bibliothèque là, les gars. Sous l'escalier. C'est quoi ça? Oh, les gars. Moi, j'ai sauté, moi. Non, c'est trop bas. Vas-y, on se regarde. Il saute? Ouais. Mais pouvez-vous, je vois rien. Parfait. Mon ami, tu m'entends? Une grotte. Oui, je vous entends, une grotte. Putain. Allez, gars, je prends la boue juste avant de partir. Flo. Vas-y, Joe, tu veux le faire. Attends. Ah, on a rien pris. Vite, prends mon coffre, prends mon sac, s'il te plaît. Prends mon sac à dos. Prends que mon sac à dos, il y a plein de bouffe dedans. Même j'avais déjà pris de la bouffe dans le frigo. Et prends mon sac à dos, à moi. Ça nous mène. Je me sens très bien, je vois rien du tout. Mais bon, tu fais ça. Je vais même pas faire un. Ouf. Pas loin. Oh les gars. Ça va les gars? Ouais, vous. Je vois pas trop. Venez. On est où là? On va vers là. Ok, attendez, je vous suis. C'est où je monte? Il fait noir dans cette grotte. Fais gaffe à vous les gens. Les gens. Oh putain, c'est quoi ce trou? J'y vais. Je vais m'effleurer. J'en connais rien. On n'est jamais venu là? Non.
En fait, c'est pas un trou, c'est juste qu'on voit pas beaucoup. Putain, ce brouillard. Venez, on va essayer de monter. Fais tout. Vas-y, Flo, monte. Je suis bloqué. Attends. Quelqu'un me fait un passage. T'es où? Les gars, je vois les étoiles là-haut. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais. Quand j'étais même quand j'étais à ma lumière, regardez. Venez là où je suis. Regarde où tu toi. Attends, ah, ouais. Il ouvre. C'est les étoiles, t'as raison. Ouais. À Flo, les gars, on a une sortie. Le monde peut pas passer par là. C'est trop haut pour moi. Ouais, derrière. Une crâne derrière. Voilà. Venez. Attendez, vous. Les gars, marchez pas trop vite parce que sinon on se perd. Venez là. Là. Mastership. Je me take. T'es là. Je te vois derrière toi, allez. Pardon. Flo. On y arrive. J'ai un accès. On essaye. Ah non, c'est impossible. Ah oui, non, derrière. Voyez les étoiles. J'y arrive. Oh putain, je vois rien autour de moi. Tu veux arriver? Putain, je vois rien. Je me sens pas bien. Putain, les gars, je suis tombé. Je t'en ai à moi. Il fait nuit. On est arrivé, les gars. Oh, les gars, on est où? Je vois rien. On est là. Non plus. Vous avez besoin de bouffe? Non. Si, moi un peu, mais j'en ai dans mon sac. Vous êtes où? Je vous ai perdu. Je crois que t'avais pas de sac. Bah si, j'en avais un. J'en avais un autre sur toi. Non, fais gaffe. Je suis tombé. Il y a la maison. Où ça? Elle est éclairée. Là. La maison. Ah, je la vois. Le voile de la maison. Non, mais t'es à l'intérieur. Ah non, elle est éclairée. Les gars, elle a plus l'air bagarre. Oh. C'est moi, je vois tout là. Les gars, on fait le tour, on rentre vite et on va se coucher. Montons. Les gars, regardez, on regarde l'escalier vite. Oh, y'a plus rien. On peut passer dessous. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, attends, on dirait que c'est une autre maison. Ah ouais, c'est notre maison, non? C'est les gars, on s'est trompé, non? Attendez, la lumière, regardez la lumière. Elle est revenue. Elle est revenue. La lumière, ouais, on peut voir venir dehors. Ah ouais. Attendez, on va voir cette chambre. Putain, tu ne veux pas jouer? Alors moi, je joue. Oh, les gars, il faut qu'on aille dormir, hein. Il est tard. Je suis fatigué, et puis... Genre, on aura passé une nuit de fou. Moi je pose mon sac. Je vais tout poser moi aussi. Bon bah les gars, j'espère que demain sera un autre jour et... Et que allez, le jour ouais, sera avec nous. Salut les amis. Ciao. Oh, fait chier, il fait encore nuit. J'arrive pas à dormir. La nuit prochaine, vous n'aurez pas froid. Putain, ça veut dire quoi ça? Oh les gars, Rémi, Flo, j'arrive. Les gars, vous êtes où? Oh, j'arrive pas à dormir. Putain, j'entends un bruit là-haut. Oh les gars, pourquoi il est mort? Je sais pas, mais je comprends pas l'idée qu'il a eu d'aller dans cette cave. Oh les gars, je suis là, je suis devant vous. Dans cette cave. Les gars, je suis là. Pas. Mais quelle cave? Ben, la cave là. Quelle cave de ouais. De quelle cave vous parlez, les gars? Vous me voyez pas ou quoi? On va faire comment maintenant? Putain, mais de quelle cave il parle? Ben, on est plus que deux maintenant, hein, toi et moi. Pourquoi c'est pas le. Non, c'est plus rien. Putain, c'est quoi ça? Il y a une cave, on dirait ici. C'est quoi ce bordel? Oh, ils sont allés, c'est fou. Je suis pas mort, je suis... Ah, putain, ça fait du bien. Ça va, ouais, toi.
Je pense, je crois que Joe s'est pas réveillé. On va le réveiller. Ouais. Vas-y. Joe. Ouais, je suis Joe. Allo, ça va? Je suis le matin là. Ça va? Ah, t'as la tête dans le cul, on dirait. Ouais, parce que ouais. Je me suis réveillé précipitamment cette nuit et tout. Arrêtez de fouiller dans mon coffre. Je me suis réveillé précipitamment cette nuit. Enfin, je vais vous raconter, c'était un cauchemar. Putain, la cave et la clé. La cave. Ouh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la cave. Oui, y'a quoi? Y'a rien? Y'a une porte. Ah, du tout, t'es niqué, toi. Condamné cette porte. Attendez, vous voyez pas le panneau qu'il y a là? Non. Ouais, y'a pas de panneau, hein. Y'a pas de panneau. Putain, je deviens fou. Bon, allez, on va manger. Ah, moi j'ai un peu faim quand même. Ah, moi aussi. Moi j'ai un peu soif aussi, pas vous? Si. Ah, mais j'ai pas pris d'eau, moi. Ouais, bah tenez, je vous en ai mis dans le four la dernière fois. Ah, merci. Merci. Eh, hey, attendez, du coup, moi j'en ai plus pour moi, vas-y. Tiens, j'en ai pris deux. Ouais, t'as besoin de bouteilles, toi? Allez, un soir. C'est pour moi. Ah, j'ai bien bu, moi. Je mange donc un peu. Les gars, cette nuit, j'ai rêvé. Merde, j'ai oublié de prendre un truc. Bon, c'est pas grave, j'ai pas faim. Tu sais quoi? Comme ça, quoi. J'avais envie de refêter ton anniversaire parce que c'est bien, alors tiens. Oh putain. Ah, mais à chaque fois, j'ai jamais faim quand tu mets le gâteau. Mais bon, ok, je veux bien. Alors, on partage. Ouais. C'est vachement bon. Bien. Et c'est pas bon, bien. Ouais, surtout, j'ai bien aimé les petites fraises là qu'il y avait au-dessus. C'était vraiment pas mal, bref. Les gars, cette nuit, j'ai rêvé que j'étais mort. Et qu'en fait, vous me voyez pas, c'était trop bizarre, vous étiez là-bas. En fait, c'est pas un rêve, c'est un cauchemar, quoi. Ouais, c'est un cauchemar, pardon. Vous étiez là, en fait, vous étiez assis sur le canapé, et puis moi j'arrive et tout, je passais devant vous et tout, vous me voyez pas. Ah bon? Et on disait quoi? Bah, vous parliez de cave et tout, de que j'étais mort. Mais quelle tout. Cave? Bah justement, je sais pas. Et puis ensuite, après, je suis allé là-bas. Attends, alors, je regarde bien sous les escaliers. Je suis allé là-bas et là, j'ai vu des marches pour descendre. Ah bon? Y'a rien du tout, t'as fumé. Venez en creuse, Flo. Attends, bah, allez chercher du matos. Non, mais j'en avais une dans mon sac, c'est bon, j'ai récupéré. Ouais. C'est bon, on creuse. Pas. Tu creuses? Ouais. T'as, je me mets un chapeau. Y'a rien. Ah si, si. Pour la poussière. Oh putain! Hein? T'as raison. Oh, regarde, c'est quoi tout ça? Eh les gars, je crois que ça, je sais pas ce que c'est. Oh, on voit pas grand chose ici. On fait quoi les gars? C'est tout. Les gars, on se perd pas parce qu'on voit pas grand chose. Ça, putain, on dirait un labyrinthe. On va où? On va non. On va à droite. À droite. Vas-y, Rémi, viens. Attendez, putain, suivez-moi. Putain, j'ai pas de torche. T'en vois quelqu'un des torches? Oui, attends, moi. Attends, j'en ai une dans mon sac, je crois. Tiens. Ah, j'en ai pas dans mon sac. Merci, je la prends. Tu peux me passer une torche, Rémi? Tiens. Okay. Derrière toi. Putain, c'est un cul-de-sac, vous voyez? Là. Mais c'est pas un labyrinthe. Je crois que c'est par là. Eh les gars, je crois que j'ai trouvé une sortie. Non, c'est l'entrée. Ah ouais. Les gars, j'ai trouvé une sortie, les gars, j'ai trouvé une sortie tout droit. Venez ici, je trouve une sortie. Attends. Ah là, c'est. Ah non. Ah non. Les gars, suivez-moi, j'ai trouvé une sortie. T'es où? Là, tout droit. Vous me suivez? Là. Attendez, les gars, bougez plus. C'est quoi ça? Ah, il y a un coffre. Attendez. Il y a un coffre. Regarde ce qu'il y a là. Un coffre, les gars. Où? C'est qui l'ouvre? Regarde, ça s'est refermé. De quoi? Oui. De quoi? Là, ça s'est refermé, on peut plus ressortir. Oh non! C'est bloqué, putain, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, attendez les gars, y'a un panneau, les gars, sale, code. Attendez les gars, j'ouvre le livre. Y'avait un livre. Attends, marqué, tu as la solution. Tu as des indices autour de toi, utilise les biens, décode-les et cherche ta solution. D'ailleurs, y'a une faute. Je n'ai qu'un seul mot à dire. Mort. Hein? Ça veut rien dire. Les gars, tenez le livre si vous voulez le lire. Ah, je vais bien le lire. Des torches. Les gars, venez là. Ça, les codes, il y a plein de chiffres. Tu as la solution, hein. Tu as des indices. Mais jusqu'à 20, il y a des chiffres jusqu'à 20. Ouais, il y a 20 chiffres, putain, mais ça veut dire quoi tout ça? Ah non, il y en a encore l'autre côté. 26. Ça va jusqu'à 26, mais ça veut dire quoi tout ce bazar? Pourquoi jusqu'à 26, les gars? Les gars, je commence un peu à manquer d'air. Ah, moi aussi, je suis fuck un peu.
Bon, allez, les gars, une mini crotte. Allez, les gars, j'ai un. Passe le livre à Flo si tu veux. Flo. Il y avait des torches dans le coffre. Moi, je passe par là. Tu as la solution. Il y a un panneau là, les gars. Ah, c'est bouché. Écris quoi? A1 égale 1. A1. Quoi, ça? Ça vous fait penser à quoi, les gars? Je sais pas. Vous avez une idée? Non. Et toi? Les gars, j'ai faim. Non, moi ça va. Est-ce que j'ai tu veux de la bouffe? Putain, ouais, j'ai du pain dans mon sac. Et les gars, je trouve un autre panneau. C3. C3 A1, C3. Les gars, je crois que j'ai une idée. A1, C3. J'ai une idée, les gars, j'ai une idée. Le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Le C, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Non? Ça peut être un truc comme ouais, ça. Mais quel mot il faut retranscrire? Il faut retranscrire là. Attends, j'ai le livre. J'ai des indices dedans. Y'a pas d'autre chose dans le coffre? Tiens, vas-y, recherche. Cherche le mot. Oh, les. Oh putain, elles sont éteintes. Ah, oh, c'est marrant. Les torches s'éteignent quand on ouvre le coffre. Tiens, vas-y. Putain, mais les portes sont fermées. Les gars, j'essaye le 1. Il y avait 1 et 3. J'appuie sur le 1 et le 3. Ah, j'arrive pas à le café. Vas-y, appuie sur le 1 et le 3 et regarde s'il se passe quelque chose. 1 et 3. Regardez un peu partout, les gars. Non, on aurait entendu un truc si c'était passé un truc. Attends, les gars, je rouvre mon livre. Tu as la solution. Tu dis... Je n'ai qu'un seul mot à dire. Mort, mais ça veut rien dire. Mais mort. Mort. Mais oui, c'est le mot mort qu'il faut écrire. Attendez, les gars. Attendez. C'est quoi le M? M, attends, A, B, C. 14. 13ème, ouais, 14, moi j'ai compté. Moi 14. Les gars, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Merde, je vais passer. Je vais passer. Attendez, le O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. 15. M, N. 15. Putain, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M, c'est 13. N, O. P. Non, Quel c'est après 15. P. Q. R. Donc R, 17. S. S. T, c'est 19. 19. Attendez, ne l'enclenchez pas, 19. On regarde bien si c'est bon. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Donc 13. N, 14. O, 15. Donc le. Ouais, non, mais oui. Non, mais oui, je compte. Donc 15, c'est le O, donc c'est bon. Et Q. O, P. Q. Ah, non, il y a le Q, mais. Mais non, c'est R. S. T. Attendez. Trop tard. Oh, c'est quoi ce bruit? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Bon, les gars, allez. Allons, on y va. C'est... Là, à droite. Je pense que ça venait de là-bas. Non, y'a rien. Là, y'a rien. C'est bizarre, là. Il clignote. Mais non, c'était le panneau que je t'avais dit tout à l'heure. Ah oui. Eh bien, on y va. On regarde de l'autre côté. Ouais. Oh, les gars, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Oh, y'a une sortie. C'est bruit alors, c'était une explosion. Je crois. Là, peut-être on peut monter. Merde, je suis tombé comme un con. Je sais pas s'il arrivera à remonter. Je crois. Ah, si. Là, il y a une partie, les gars. On fait de l'escalade pendant nos vacances, c'est pas beau. Ah, mais bon, c'est pas trop des vacances. C'est pas faux. Je balance la pierre, attention de pas vous le recevoir sur la tête. Oh putain! On est sorti d'enfer, quoi. Il est un peu plus que midi. Il doit être quelle heure par rapport au soleil, vous pensez? Moi, je pense qu'il doit être bien 15h. Non, 15h. On fait quoi là? Ok, bah, moi je dirais qu'on rentre. Allez, elle est où la maison? J'ai dit on rentre et puis j'en ai un peu marre. Ah là il y a un chemin là. Ouais. On rentre et puis moi j'en ai marre. Les gars, j'ai plus la maison. Toujours à la maison. J'ai plus envie de vivre ici, les gars. Ouais, moi non plus j'ai plus envie de vivre ici. Eh Rémi, t'avais pas pris ta tente? T'avais pas pris nos tentes? Non. Quelle tente? Je sais pas. T'avais pas pris les tentes? Mais si au cas où on voulait se faire une petite truc dans le jardin. Tu m'avais dit une fois. Mais après.
Moi je les prends. Je laisse, je prends le coffre. Non mais prends les maintenant, je vois pas pourquoi tu les prendras après. Moi j'ai envie de partir, moi j'ai plus envie de rester là. Moi aussi, je prends ma montre, je prends tout. C'est bon, c'est je mort. Pose tout, hein. Je prends même je pose tout mon sac coffre. Et... La cave et la clé. Et mon cul, ouais. Je vais me faire une petite tarte à la citrouille. Je vais me la faire à table parce que sinon c'est pas raisonnable. Tu veux la place toi ou pas? Tu veux prendre ce qui reste? Allez, les gars, j'ai tout c'est pris. Bon, j'ai pris la teinte. J'ai pris un coffre, ok. Attendez-moi, les gars. Je vais prendre un peu de bouffe dans le frigo. Et remplissez vos bouteilles. Putain, cette cave de merde. Ben. Les gars, moi j'ai plus ma. J'ai plus. Comment s'appelle? J'ai un peu de place dans mes poches, mais j'ai plus de place. On s'en fout des portes, on les ferme pas. Ah, moi je dors plus ici. Non, moi c'est impossible. Je m'en lance même ce livre dans les oubliettes. Allez, on s'en va, les gars. Moi je vais plus rester là. Putain, il commence à faire nuit en plus. Et vite en cours. Vite. Est-ce que Rémi, t'as toujours ton matos de campagne? Ouais. Ouais, et Flo aussi, Nana. Ok, c'est parfait. Ouais, j'en ai pris un comment pas. Mais j'ai pris un coffre, comme ça, je mettrai le coffre là-bas et. On peut se mettre un peu loin, hein. J'ai pas envie de. Parce que là, déjà que ça me fait flipper. Une poche là. Ouais, là, c'est pas mal, là, il y a un terrain libre. Ok, ouais. On se fait ici. Voilà, ouais, allez. Putain, il y a plein de. Oh putain, la nuit, elle commence à se lever, ça me fait peur. Comme ça. Vite, Flo, tout ce que t'as pris pour. Tu mets dans le coffre. Ok. Okay. Donc, moi, je fais ma tente là. Hein. Ouais. Attendez, j'ai tout mis dans mon sac, il faut tout, je prenne. Oh, bah, faire tout dans le coffre. Ok, bah, c'est bon, j'avais que ça. Ok, bah, les gars, moi, je prépare ma maison. Ouais, moi. Ouais. Je la fais là, moi. Oh. Ok, moi je la fais en face de jeu. Bon, ben les gars, on aura passé quand même des vacances. Bon, on s'est quand même bien amusé de toute façon quand ouais. On est tous on s'amuse bien, même. J'ai quand même peur. Hein. J'ai peur que ça s'arrête pas là. Et quand même, ça va de plus en plus loin. Hein. Remarquez, c'est parti dans. C'était quoi déjà tout à l'heure? Enfin, hier, pardon, non, ou avant-hier, je sais plus. On a vécu plein d'aventures de. Faut flipper, putain, y'a qu'un lit. Les autres, vous avez moi, j'ai déjà pris un lit. Comment? T'as combien? T'as pris un lit? Moi ouais. Aussi, j'ai pris un lit. Moi aussi. Pris... Ah, bah ouais, tout le monde a les lits. Attendez, j'accroche. Hop là, avec des piquets. Ma tante. Allez, y'a même une petite moustiquaire. Merde. Ok. Ça va les gars, on est collés, on dormira bien je pense. Enfin, collé. Ouais. Vous avez votre sac de couchage hein? Parce que moi j'ai pris mon lit mais bon j'ai pris aussi un petit duvet. Je vais mettre un coffre à côté de ma tente. Même carrément sous ma tente. Là. Je vais mettre tout ce qui me sert à rien. Attendez les gars, moi j'ai pas les piquets, elle va s'envoler. Gardez c'est une épée sur vous au cas où. Hein. Même quand moi, vous j'en dormez, ai pas. Je crois que j'en ai pas. T'as une épée sur je toi pas. Je suis pas sûr, je crois que j'en ai pas. Mais je vais voir. Non, j'en ai une dans le coffre. Je crois que j'en ai une dans le sac. Ah, y en a une dans le coffre général. Est-ce ouais, les gars, pris des piquets. Moi j'ai pas de piquets. C'est moi qui les ai tous. Je te les pose, si tu veux. Ouais, tu me les poses. Bon les gars, je commence à être un peu fatigué là. Je vais me coucher. Attends, je te les pose de l'autre côté aussi. À tout à l'heure les gars. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À demain quoi. Moi je finis de monter ma tente quand même. Ouais, mais il est minuit donc. On peut dire à tout à l'heure. Ouais, les gars, bonne nuit. Bonne nuit. Jo. Quoi? Jo. Putain. Hey, toi. Qu'est-ce qui se passe? Regarde devant la chambre, devant la tente à Flo. Qu'est-ce qui se passe? On voit rien, panneau. Je suis à la maison, j'ai oublié un truc. C'est quoi ce bordel? Putain, il est retourné à la maison, ce con. Ah, vous avez modifié ma tente? Ouais, on a un petit peu modifié le campement et tout. Ouais, ah, vous avez okay. Bon, moi je retourne là-bas, tu viens avec moi ou pas? Ouais, je vais avec toi.
je te fais une maison, franchement, il est seul. Il est un peu con, hein. Je suis désolé de le dire, mais. Ouais. Allez, on se dépêche. Oh, putain! La maison, elle est en feu! Elle est en feu. Non! Flo! Tu me suis? Ouais. On y va. C'est gravé, ça me fait tous les pieds. Non! Il est en feu! Les gars, aidez-moi! J'arrive! T'es où? Je suis dans le grenier! Merde, y'a pas de. Tu peux pas monter! J'ai pris des échelles! Ok, cool! Vas-y, bon. Vite, le feu, il se pompage de partout! Vite, Flo, descend! Flo, vite! Rémi va t'aider à descendre! Yes. Non! Qu'est-ce que tu fais, mais t'es malade! Qu'est-ce que tu fais, mais t'es fou! Je vais te tuer! T'es où? Salut les gars. Ça va? Salut Rémi. Salut. Salut Flo. Bien. Ah putain, je suis. Je vais prendre des cookies les gars. Putain, vous avez avancé le campement? Comme dans mon rêve. Ouais. Putain les gars, j'ai refait un rêve. Oh, putain, un cauchemar. Vas-y, G. Bah venez autour de la table, j'ai pas envie de m'asseoir. Pas les jambes à ça. T'as pas envie de t'asseoir, t'as pas les jambes. Ah ça. Ouais, vas-y, G. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Encore? Ouais, que Flo, en fait, il essaie de viser un oiseau. Ouais. Donc j'ai raté. Arrête, ne me tire pas dessus. Ouf. Donc j'ai rêvé qu'en fait Flo t'étais parti pendant la nuit. Ah, et que moi et Rémi du coup Rémi me réveillait et qu'on devait aller le chercher. Et en fait t'étais dans la maison et la maison elle prenait, elle était en feu et tout, enfin elle prenait feu. Et genre enfin c'était trop flippant quoi, j'ai. Et puis à la fin Flo t'as. Pas tué Rémi. Mais non, regarde Rémi là. Mais non, mais dans mon cauchemar. T'es arrivé, t'as pris ton épée, puis tu. En fait, Rémi, il était allé vers toi pour t'aider à descendre. Parce qu'en fait, t'étais dans le grenier, en fait, dans la maison en feu. Et il est allé pour t'aider à descendre, et puis. Puis tu l'as tué. Bon, il fait une belle journée si on allait chasser. C'est pas con. Bon, on va chasser. Mais moi, j'ai déjà commencé, moi. Je vais boire un peu. Mais les gars, j'ai déjà chassé un peu, alors j'ai pas mal de trucs sur moi. J'ai de l'eau, j'ai pris un peu d'eau. J'espère qu'on va s'amuser au moins. Prenez un arc aussi. Ah ouais, j'ai prendre mon arc et mes flèches. Au fait, vous avez tout. Pourquoi vous avez tout? Vous pouvez me prendre la bouffe, s'il vous plaît. Je prends de l'eau, moi. Et où elles sont mes flèches? Elles sont dans le coffre. Où ça? Ah oui, là. Faudrait faire un four, les gars. Pourquoi? Putain, faire la bouffe. T'as tous ces cochons? Bon, on a qu'à chasser ici. Venez les gars, on fait un concours avec l'arc. Ouais. Non, c'est pas moi. Eh, attends, j'étais en train de viser un poulet. Putain les gars, j'ai du poulet à manger pour ce soir. J'ai pas ça pour ce midi. Du coup, je suis en. Au fait les gars, je vous dis un truc personnel. Enfin oui, personnel. C'est moi, je retourne plus dans cette maison. Ah, ma fille. Moi aussi. C'est mort, moi j'y vais même plus pour dormir et tout. J'ai même plus envie d'aller là-bas. En plus, je suis sûr que là, si on va la voir, elle a encore changé. Ouais. Je suis nul, moi, l'arc. Aïe, y a plein de cochons. Putain, je la vois dépasser de là, la maison, ça me fait peur. Et tu es un loup. Quoi? Et tu es un loup. Putain, t'es un champion. Il y a pas beaucoup de nourriture, tu sais, sur les loups. Il y a beaucoup de peau, surtout. J'ai 10 steaks de porc. Oh le chemin. Putain, il est déjà midi quoi. On s'est réveillé tard quand même. Ouais. Ok, au fait quelqu'un a pensé à prendre une montre? Non. Moi j'en ai une donc. Moi oui. Moi aussi j'en ai une. Putain, j'ai... Oh là il est midi là. Oh sa mère. J'ai réussi à toucher un poulet à longue distance. Ah les gars, venez là où je suis, il y a plein de cochons. Ouais. Bon les gars. Mais Flo, il fait pas l'arc. Tu fais à quoi toi? Tu fais à l'épée? Ouais. Bah ouais.
Ouais, non, ça compte aussi, t'as droit. Mais bon, c'est plus sympa de le faire à l'arc, quoi. D'ailleurs, les gars, sinon ça aurait été. Enfin, pour vous, ça aurait été des bonnes vacances ou quoi? Ouais. Vous aurez pas trop fait chier, non? Non, ça va. Je suis vraiment désolé hein, pour tout ce qui s'est passé, mais bon, en même temps, je pouvais pas le prévoir. Hein, et... Arrête. De quoi? Je te prends pas, c'est juste que tu perds du sang. Oui, non, mais attends. C'est pas très bon la viande cuite. Hein. Oh mon dieu, mais attendez. C'est impossible qu'il y ait autant de cochons. Si. Vous avez vu quand on les frappe? Il y a du sang. C'est dégueulasse. Ouais. En même temps, c'est normal. Aussi, ils ont du sang. C'est gore. D'ailleurs. Bon, est-ce que quelqu'un a pensé à prendre le four là-bas? Non. Ou sinon, on le fait cramer carrément au feu de camp? Moi, oui, moi, j'ai pensé à prendre le four. Ah, cool. T'en avais un portable? Ouais. Il y en a, ils ont des téléphones portables. Rémi, il a un four portable. Ah, moi, ouais. Moi, je fais carrément cramer ma nourriture. Ah non. Ouais, non, ça crame pas assez. Y'a pas de vache, c'est bizarre quand même. Tant mieux, bon, c'est pas grave. Moi, j'aimerais bien des poulets, surtout, j'aime bien le poulet. J'ai tué 48 cochons. Putain, moi, 11. Bon, les gars, est-ce que. Ah, mais je pensais que t'allais poser ton four, Rémi. Ah, bah, bon, les gars, il commence à se faire tard un peu, hein. Moi, je vous conseillerais de. Oh, putain. Sniper. Il y a une vache. Non, elle est à moi. Ah, putain, champion. Finir, je vais tuer une ou deux poules. J'ai vu qu'il y avait quelques poules. La bouffe. Il y a quelques poules. Ok, je range mon inventaire. J'avais pas que ça comme bouffe. Hein. Tu m'as volé de la bouffe. Ah oui, pardon. Ouais, quelques poules. Tiens, les gars, il faudrait avoir un four. T'aurais pas dû me passer tout ton équipement, Flo. Hein. Toi, c'était juste pour aller à la maison. Là, je fais chauffer du poulet, là. Ok. Ben, moi, j'avais deux coffres. Et regardez, il y a pas mal de poulets. Donc, ceux qui veulent aller chasser du poulet. Il y a des vaches aussi, là-bas. Ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup j'ai de poulets. J'ai pas de flèche, j'ai pas de flèche. Ah, mais je crois que je te les ai toutes données en donnant ton sac. Tiens. Ah, mais c'est bon, j'ai pris. Attends, je chasse, vous. Comment? On chasse jusqu'à tomber de la nuit. Tu vois, la nuit va tomber, là. Ouais, venez, on a le temps. Eh, ça vous dit, les gars, ça vous dit de faire un enclos? Non. On a pas mal de fence. J'ai une canne à pêche avec une carotte. Mais faut une selle. Une quoi? Il faut une selle pour monter fort un cochon. Et tu sers pas les selles en cuir? Bon, les gars, quoi? C'est pas grave, de toute façon. Venez, on s'éloigne un peu parce que là, ça m'énerve de voir tout le temps le même paysage depuis tout à l'heure. Oh, je vais là-bas. Ah, mais tiens, je pense. J'avais une selle, moi. Ah bon? Ouais. Et pourquoi? Je sais pas. Il avait trouvé un. Tuer un cochon. Il avait trouvé. Venez là, les gars. C'est où? Flo. Venez là où je suis, c'est pas mal là. Les gars, écartez-vous un peu. Tiens, tu les gars, venez. Tiens, Flo. Les gars, venez. Mais ouais, mais c'est bon, no stress. Mais non, mais c'est juste que j'aimerais aller voir là-bas ce qu'il y a un peu avant de chasser. Avant d'aller dormir. Venez tous, viens Flo. Tiens. Essaye si tu veux le cochon. Tu m'arrêtes. Vite, accélère. Je vais le tuer lui, il me saoule. T'as qui ça, moi? Ouais. Putain, ça fait peur, un peu peur cette forêt. Non, arrêtez de me frapper, Quoi, je t'ai mis un headshot. Mais vous êtes où? Putain, faut que je mange. Arrête. Bon les gars, on va avancer un peu plus loin. Quoique. Il commence à faire nuit. Ouais, ok, on retourne. On va dormir au campement. Ouais. Putain, je vois rien, trop de brouillard.
Bon bah, encore une fois, une journée, bon, ça va. Une journée de merde. Comme toutes les autres. What the fuck? Les gars! Il est où? Là, il y a plus de campement. Les gars, le campement, il est détruit. Il y a un panneau. La sortie est derrière toi. Maintenant, derrière nous, c'est la maison. Ah, moi, j'y vais pas. Oh putain, ça me fait peur. Revenez, les gars, on passe par là, on s'en fout, on se barre. Suivez-moi, les gars. Je veux retourner chez moi là, faut pas rester comme ça. D'ailleurs, vous avez pas une lampe par hasard? Oh mon dieu! Maison, il y a une autre maison! C'est la même! Ouais, mais. C'est la même maison! Et pas au même endroit! Barrez-vous! Quelqu'un a des torches à me passer, s'il vous plaît? Moi j'en ai, attends! Passe-moi des torches, s'il te plaît! Tiens! T'es où, tiens? Allez, on se barre. Allez, venez, les gars. Allez, vas-y. Tu veux Rémi? Rémi, il est où, Rémi? Rémi? Putain, non. Putain, oh, okay. Putain. Allez, vas-y, on y va. Attends, on retourne au campement. Alors. Attends. On va devant. Là, t'es devant moi. Prends une torche à la main. C'est bon, tu vois avec la mienne qui éclaire. Allez. C'était par la terre qu'on était venu. On était venu par la... C'était pas par là, je crois qu'on était venu. C'est bon. Attends-moi, je suis un peu loin. Flip, c'est quoi ce flip? Me fight avec tes poules. Suis-moi. Attends, je crois que je vais me noyer. T'es con quoi. Je suis fatigué. Mais non, t'en repasse pas là, Flo. Putain, mais où il est, Rémi? Il bosse pas. Hein. Je pense qu'il va nous rejoindre là-bas. Attends-moi. T'attends. Je te vois. Tu te chies? Putain, non, t'es où? Je suis bloqué. Il y a un chien. Tu me suis? Ok. Sprint. La maison! Quoi? Encore? Oh putain, mon dieu, mais c'est quoi ce bordel? La maison. Elle est cours, de cours, là. Cours. Putain, non, on se barre, on revient au panneau. Mais non, attends, on va à droite. À droite. On y va. Tiens le coup, Flo. Flo, t'es où? Flo! Bon, il a dû aller là-bas. Vite, il faut que je cours, Putain, allez. Putain, elle est où la route? Elle est où la putain de route de merde? Elle est où cette route? Elle est... Ah! Putain, non, une maison! Ah! Je veux revenir au panneau. Putain, mais où ils sont ces deux? Putain, fais chier! Flo, Rémi, vous m'entendez? Flo! Putain, ils sont pas là, fais chier! Putain, je suis seul! J'ai gardé mon épée à la main. On sait jamais. Bon, la sortie est derrière toi. Ça veut peut-être dire que la maison. Putain, les lumières. Ils sont toutes allumées. Les portes s'ouvrent toutes seules. C'est que ce bordel, Rémi, Flo. Vous êtes là? Putain, ça me fait peur. Rémi, Flo. Je m'en vais.
Putain, la porte s'ouvre et se ferme toute seule. Rémi. Non, la lumière s'éteigne aussi. Putain, non, non, non. Les gars, vous êtes où? Rémi, Flo. La cave. Elle est plus là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je vais monter, je vais monter, je vais monter. Putain, ça va, il y a encore les blocs d'alimentation. La nuit prochaine, vous n'aurez pas froid. C'est clair que dans mon rêve, j'ai pas eu froid. Putain, non, 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 les blocs d'alimentation se pètent, non. J'ai l'impression que quelqu'un me suit. Dans la chambre d'amis, peut-être sous le bureau, non? Il avait encore laissé du matos, il avait peut-être pris précipitamment. Flo! Bon, faut que je descende. Putain, j'ai peur. Il fait noir en plus, je vais prendre la torche à la main. Je vais descendre. Putain, c'est qui ce gars? Non, 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 non. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Putain, il bouge pas. Attends, c'est plus jamais ce qu'on peut croire derrière nous. Bah putain, à chaque fois il me fait peur ce con. J'entends un bruit. Il y a une lumière là-bas. Je vais aller voir ce que c'est. Putain, un mi-flou en plus, le jour se lève. Ouf, ça c'est bien. Flo, Rémi. Rémi, Flo. Il y a un gars en haut. Il y a un gars en haut. Putain, faut que je me barre. Faut que je descende. Putain, il y a un gars des deux côtés. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, non, non. Putain, je peux presque péter la vitre. Putain. Je peux une... Ah, il y en a un haut. Putain, non, 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 non. Vas-y. C'est bon, ça filme. Donc Flo, bah, salut déjà. Donc salut Rémi. Salut. Est-ce que, ça va? Ouais, toi? Ça va bien. T'as tourné dans le film Paranormal. Alors, qu'est-ce que tu peux dire déjà de ce film? Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, à mon avis, je pense que c'est quand même un assez bon film. Merci. Concept. Je pense que la série marchera bien, le film, et c'était bien à tourner. Et voilà. Ok, est-ce que, parce que t'as été acteur dans ce film, tu en penses quoi? Pour toi, comment a été le tournage? Ben, à vrai dire, le tournage a été quand même assez long, sympathique, et voilà, c'est quand même du travail, ce qu'on a fait. Oui, oui, c'est clair. Et est-ce que... Hop là, t'as tombé de la chaise. Ouais, est-ce que pour toi, tu penses que c'est une série qui peut plaire aux gens? Je pense, ouais. Je suppose quand même qu'on va faire la deuxième partie, le Paranormal 2. Ouais, parce que c'est déjà prévu. Ouais, c'est déjà prévu. Enfin, j'espère que ça va plaire aux gens et voilà. Ouais, donc ensuite, pour toi, quel aurait été le moment, quel est le moment qui te plaît le plus dans Paranormal? Enfin, je veux dire, le moment où tu penses que toi, tu vas le plus flipper, enfin, ton moment préféré dans le film et ton moment que t'as préféré tourner.
À voir, je pense que c'est... Il y en a plein. Je sais pas, j'ai bien tout aimé. Bah, voir, ça doit être... J'ai bien aimé quand... Tout crame et tout, là, ce moment-là. Ben, les moments que j'ai bien aimé, c'est quand même... Comment dire ? Quand il y a des choses qui disparaissaient, comme la cave ou l'escalier. En dessous de l'escalier, et des choses comme ça. Oui, et toi, la scène que t'as bien aimé à tourner, que t'as bien aimé tourner Je reviens. Tu es le petit poulet, là. Voilà. Mon préféré, ben, c'était le moment de la cave. Ah, le moment de la cave. Alors, quel moment ouais. Celui où je suis dans mon cauchemar ou celui... Tout ce que je passe. Celui où ben, on va dans la cave, le labyrinthe et les coffres et tout, là. Mais je pense que ça reste la scène de l'escalier que j'ai bien aimé. La scène... Ah oui, oui, l'escalier avec... derrière l'escalier. Ouais, voilà. Ok, bon, mais merci d'avoir répondu à mes questions et tu seras dans l'épisode 2 de Paranormal. Je pense, ouais. Oui, bien sûr. Ok, donc Flo, désigné pour faire l'épisode 2 de Paranormal. Oui, je veux venir. Ok, d'accord, donc Rémi 30 accepté pour Paranormal 2. Attends, petite photo quand même. On va faire une petite photo avec le Slenderman attends, derrière. Je te prends la photo. Sourire. Voilà. Cheese. Petite photo. Ah oui, j'ai oublié d'en prendre une. Attends, faut que j'apprenne moi aussi. Voilà. Alors, Jumotech, est-ce que ça t'a plu de tourner ce film ? Alors, Paranormal, ouais, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. Et je comptais vraiment qu'on fasse un petit film ou à trois un petit truc pas mal qui était dans le paranormal. Dans ce cas-là, c'est Paranormal en fait, c'est pour Minecraft. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Créer des séries. Comment as-tu eu cette idée de Paranormal ?